Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous faisons mémoire de la Vierge Marie. C'est la même qui a donné sa disponibilité au Verbe de Dieu pour le salut du monde. Offrons cette Eucharistie en reconnaissant que bien souvent, nous manquons d'être disponibles à l'écoute de la parole de Dieu. Demandons pardon au Seigneur en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, priez pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que vienne à notre aide, Seigneur, la prière maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, qu'elle nous obtienne la joie de vivre dans ta paix, délivrée de tous les périls, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre.
du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, alors veux-tu que nous allions l'enlever? Il répond, non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, Dieu conduit son peuple à travers la loi fondamentale qu'il va lui donner, c'est-à-dire sa parole, par les mains de Moïse. Et voici ce qu'il dit. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, vous les mettrez en pratique. Et c'est cette parole-là qui est semé dans le cœur à travers la parabole du grain, du bon grain et de l'ivraie que nous écoutons dans cette page d'Évangile. En faisant donc mémoire aujourd'hui de la Vierge Marie, méditons la manière dont elle a accueilli elle aussi cette parole de Dieu. À l'Annonciation, elle est là comme cette terre vierge offerte à la parole. Elle écoute, questionne, cherche à comprendre, acquiesce, souffrant comme une servante humble et toute petite de cette parole pour remplir la mission
qui lui est confiée. Elle va nous apprendre à accueillir la parole de Dieu, nous invitant à nous poser ces questions. Seigneur, qu'est-ce que cette parole me dit à moi? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ta parole? Dans notre vie, quelle place accordons-nous donc à la parole de Dieu? Nous sommes invités à prendre le temps de la lire chaque jour et de l'écouter. Il y a de plus en plus de possibilités d'être en contact avec cette parole. Des fascicules faciles à transporter ou à mettre dans la poche, Internet, les tablettes, les smartphones, dans lesquels nous pouvons trouver cette parole de vie venant de Dieu. Comment accueillons-nous donc cette semence? L'apportons-nous en nous comme un trésor vivant qui nous interpelle et nous engage à un dialogue personnel avec elle? La terre de Marie était une terre féconde, une terre disponible, une terre travaillée par la parole de Dieu, par les psaumes, les oracles prophétiques, une terre ouverte où pouvait venir prendre chair et se développer ce Verbe de Dieu, le Fils du Père qui vient nous révéler l'amour infini de Dieu. C'est la bonne terre. Rappelons-nous cette parabole du semeur. Qu'est-ce qui habite donc notre cœur? N'est-il pas si encombré que la parole ne puisse s'y enraciner? Prenons l'habitude de regarder Marie. Elle nous aidera à vivre cette parole qui bien souvent nous engage sur des chemins que nous n'aurons pas choisis et qui se révèlent toujours porteurs de vie. Elle sait par expérience ce que cela signifie se laisser conduire par la parole de Dieu. Qu'elle prie pour nous, pour que nous aussi, nous offrons cette disponibilité à la parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs, pour que le Seigneur soit heureux de nous voir la faire porter du fruit. Que l'Esprit Saint nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles.
ce que tu veux. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, en rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta parole et dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière. En choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles, des défunts de notre communauté paroissiale, de tous ceux et celles qui seront inhumés ce week-end. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur notre assemblée en prière, sur tous les dévots de la Vierge Marie, sur tous ceux qui se confient à nos supplications, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous ceux qui nous suivent à travers les zones de Ecclesia TV, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Sainte Monique, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, comme nous l'avons appris du Sauveur. Selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés de la vie. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix à notre pays, à nos familles, et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, la paix du Christ. Les âges te diront bienheureuse Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, Saint-Michel-Archange, de ta lumière éclaire, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans le combat visible et invisible. Quelle est celle-ci? Avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ.